Le marché de Taïandi à Koutaba a connu les colères des flammes. À en croire les témoins, tout serait parti d'une mauvaise manipulation de gaz. Le bilan est lourd pour les commerçants. Les dégâts matériels importants, estimés à 20 millions de francs CFA. Le qui a débuté hier soir, là, il y a 17h35, lorsque une femme qui m'a écrit d'aller faire fuir les œufs, les premiers, après mauvaise manipulation du gaz, ça y a eu fuite. Et comme il y avait un type qui vendait le gaz, le produit, le carburant flatté là-bas à côté, ça arrive à déclencher les flammes de ce qui a produit, ce que vous pouvez voir. L'une des victimes de cet incendie violent, Zenabou, la commerçante dit avoir tout perdu. Moi, c'est ma mère, que la maison est en train de brûler. Je suis venue tout le temps. Calciné, abîmé, réduit en cendres, voilà ce qui reste des bâtisses de ce marché. Les flammes n'ont pu être contenues. Ici, il n'y a pas d'unité de sapeurs-pompiers. L'unique unité de Bafoussam ne peut satisfaire toute la région de l'Ouest, vu la distance qui sépare la capitale régionale des autres villes de cette partie du pays.